Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure turquoise. Aujourd'hui, on a des invités, deux invités de bande Ouzaï qui viennent se lancer et ils ont une nouvelle chanson qui s'appelle Hatabende. On va parler de leur création, de leurs histoires et aussi un petit peu leur projet pour l'année 2021. Et bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, bonjour, bonjour. Merci pour l'accueil. Avec Salut, vous plaisir. allez, comment allez-vous? Ça va super, super, et vous? Très bien, très bien. De toute façon, bientôt on finit l'année. Ça, Ouais, c'est, je pense exactement. que bah, cette Comment ça année-là, tellement. bah, je pense que tout le monde attend ce moment-là. Et on va parler de vous et on va voir votre petit teasing, en fait, pour votre clip. Votre premier clip. Et ben, on commence par. On a quelques questions pour vous. On veut bien que notre public vous connaisse. En fait, je pense que comme vous venez de lancer, vous êtes deux musiciens depuis longtemps. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de vous? Et puis, on parle de Douzaï, votre projet après. Alors, moi, je suis Léo Sevilla. Je fais un peu de musique depuis, on va dire depuis Léo Sevilla, depuis 2011, on va dire environ à peu près, 2010-2011. Et j'ai quelques groupes. J'ai eu un groupe jazz hip-hop, un groupe rock électro hip-hop. Et aujourd'hui, je me lance avec Ouzaï, un groupe donc franco-turc, on en parlera plus tard. Et voilà, hein. Voilà. Et ben moi, c'est mon ancien nom, c'était Okabaz. J'ai à peu près commencé donc à peu près à la même période que Léo, donc à peu près en 2012-2011. C'était toujours en indépendant, c'est-à-dire que j'ai essayé de sortir mes projets toujours en solo. Par la suite, quelques années après, j'ai fondé mon studio d'enregistrement, Studio 99. Ça a duré 3-4 ans, donc ça m'a un peu plus forgé pour tout ce qui est mix, mastering et connaître les codes un peu, on va dire, de la musique. Et ensuite, bah, grâce à ça, j'ai rencontré Léo. Et voilà, après, on s'est liés d'amitié, premièrement, après, liés par la musique. Et on a En tout cas, décidé de se là. vous avez des bonnes énergies en fait. Je pense que vous Ah, allez réussir, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu en penses, Aude? bah oui, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et une des premières questions qu'on voulait vous poser, c'était pourquoi Ouzaï? Pourquoi ce nom pour votre groupe? Parce qu'en fait, dans notre équipe, on a quelqu'un qui s'appelle Ouzaï. Donc, Ah. forcément, ça a fait tilt. Donc, dites-nous maintenant. Alors, pourquoi Et ça, c'était pour Voilà, sans doute. Ouzaï? Donc, elle change de nom maintenant. Alors, Ouzaï, c'est très simple. Pourquoi Ouzaï? Parce que Ouzaï, c'est en turc, ça signifie l'espace. Donc, l'espace où là où on découvre toutes sortes de choses, voilà, l'inconnu un peu. Et c'est un peu comme ça relie un peu la musique aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, on trouve qu'il y a beaucoup De points de points communs. communs, merci, de points communs avec la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est toujours quelque chose qu'on découvre. On part de zéro et on découvre, on fait quelque chose. Et ben, on trouve que l'espace est la même chose, donc C'est un voilà, emploi c'est le lien. infini et sans frontières. C'est un peu c'est ce lien entre l'espace et la musique. C'est vraiment infini sans frontières. Et on est toujours, même si dans la musique, on dit souvent que tout a déjà été fait. En fait, non, tout reste à faire. Et comme l'espace reste encore à découvrir, c'est pour ça où on a ce côté où on se dit que la musique est un espace et on aimerait s'ancrer dans cet espace-là, dans ce côté justement, mais humblement, dans ce côté où tout reste à découvrir, il y a encore mille choses à faire et sans frontières. Et ce côté-là aussi sans frontières. Voilà. Exactement. Exactement, il y a tant de choses à découvrir en fait tous les jours. Et je pense que les musiciens aussi s'évoluent et ils découvrent des nouvelles choses en ayant plusieurs expériences. Même en fait, vous écrivez vos chansons. Je trouve que la première chanson, tout à l'heure, on va. Et en même temps, on écoute un petit peu, je ne sais pas si les gens entendent un petit peu derrière. Et c'est un peu poétique en fait. Qui écrit vos chansons? Qui est poète entre vous? En fait, c'est nos chansons, on les écrit ensemble en soi. Vraiment, c'est nous deux, on écrit ensemble. Léo, il trouve des mélodies, moi j'écris, ou vice-versa, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose que, on va dire, on fait vraiment ensemble, quoi. Après, bon, pour être honnête,
la partie écriture, c'est peut-être un peu plus moi, mais la partie. Mais la partie, on va dire, mélodie aussi. Trouver la mélodie, une bonne mélodie, etc. C'est un peu plus Léo qui gère cette situation-là. Mais voilà, c'est toujours un travail en commun qu'on fait ensemble. Vraiment, En fait, c'est que la poésie, là, c'est comme enfin, tout ce qui travaille sur la beauté de manière générale, c'est forcément un va-et-vient entre le fond et la forme. Et c'est un travail qu'on fait continuellement entre ce côté justement poésie, mais ce côté aussi forme, etc. Que ce soit un alexandrin, alexandrin est constitué par le nombre de pieds, mettons la forme, et par le contenu, donc les mots de l'alexandrin. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Super. Bah, je sais que Okan, il est d'origine turque, mais JB, en fait, il a été à Istanbul en tant qu'étudiant Erasmus. Tout a commencé à Istanbul. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Pourquoi tu voulais en fait approfondir ta connaissance dans la culture turque? Alors, en fait, initialement, c'est quand je suis parti à Istanbul, c'était dans le cadre d'un Erasmus, et c'était en 2009, c'était il y a quand même quelques temps déjà. Et en fait, alors c'est pas simplement pour approfondir ma connaissance, c'était pour me faire une connaissance du monde turc, du monde ottoman, de manière générale, etc. Mais c'était aussi pour quitter Paris. Donc en fait, moi, j'ai grandi à Paris, etc. Je suis vraiment un pur produit parisien. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. Et je me suis dit, je vais partir dans un endroit qui est complètement différent culturellement que ce que je connais déjà. Donc je vais pas faire une capitale européenne, pas Barcelone, pas Dublin, etc. Mais vraiment juste partir de ce que je connaissais déjà pour découvrir un truc hyper nouveau. Et quand je suis arrivé à Istanbul en 2009, genre le jour, j'arrive donc après le havache de l'aéroport, j'arrive à Taksim. J'ai une carte bleue, ma valise et Taksim devant moi. Je me dis, attends, ça, c'est Istanbul, ça? Et là, je suis tombé, c'est vraiment, c'était une sorte de coup de foudre entre la ville et moi. Ben, toi, tu le sais très bien parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Et bien, c'était un coup de foudre entre Istanbul et moi, assez rapide, assez enfin, instantané, vraiment. Et après, c'est depuis 2010, depuis 2009, entre les allers-retours. Incessant entre Paris et Istanbul, etc. Enfin, moi, j'ai découvert une culture, des gens, enfin, en fait, c'est ce qui m'a vraiment attiré à l'inverse de Paris. Hop. Ah oui. Ah, c'est bon, je pense que. Ça Ah, non, mais on vous entend plus là. Voilà, c'est bon, a c'est bon. Voilà. repris. Vous ne touchez plus. Poésie, tu vois. C'est ça. C'est le cœur des gens à Istanbul et en Turquie de manière générale, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché. Parce que quand tu viens de Paris, les gens sont peut-être un peu plus froids, un peu plus parisiens, un peu plus français. Et quand tu arrives là-bas, vraiment, j'ai découvert comment on dit, c'est déjà quand les gens Ouais. sont chauds et sont accueillants comme pas possible. Et ça m'a vraiment plu. Et ça m'a donné envie de revenir et de revenir encore et 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 encore. Bah, c'est génial, vraiment, c'est une histoire d'amour, on dirait. Non, c'est pas loin. Ben, mon nom, Léo Sevillor, soit Sevillor veut dire M. Et en gros, c'était parce qu'en fait, quand j'étais en Turquie, à Istanbul, tout le monde me demandait, est-ce que tu aimes bien la vie, est-ce que tu aimes bien ça, aimes bien ça? Je dis, franchement, moi, j'aime tout. Donc juste, Léo Sevillor, Léo, ça veut dire j'aime tout. Léo Sevillor, Léo M. Tout. C'est comme ça. Génial. Génial. Bah, en fait, pour ceux qui vous connaissent pas encore, quel type de musique vous envisagez à faire, à créer? Alors, le type de musique qu'on fait, c'est très large en fait. C'est-à-dire que quand on dit très large, c'est de la musique, on va dire, populaire, c'est-à-dire grand public, mais qui reste urbain. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces connotations, un peu ces codes hip-hop, rap, mais un peu plus grand public. C'est-à-dire qu'on essaie de viser vraiment tous les publics différents et que nos musiques passent en radio, à la télé, voilà, n'importe où. En fait, il n'y a pas de limite, hein, c'est dans l'espace. On a nos codes à nous, de référence forcément à nous, qui sont ce côté un peu urbain, etc. Mais on n'a pas de limite. C'est pour ça qu'on s'appelle Kouza. Et c'est vraiment, on est genre, C'est ça. il n'y a pas de limite du tout. C'est exactement ça. Voilà. Bon. Si on peut avoir Super. une PZ qui danse avec nous, on est content, tu vois. Voilà. Ben c'est très bien ça. De toute façon, je pense que en 2021, quand tout soit normal et que on organise de toute façon des concerts, Aude, elle le sait très bien, on s'amusait beaucoup pendant les concerts. On attend ces moments-là Ouais. et on va vous inviter aussi. On va avoir un concert de votre part. On attend que ça. Avec plaisir. Et du coup, vous créez plus de chansons.
croyais plus jusqu'à ce jour de concert. Oui. Doucement, mais sûrement. Exactement. Bah, écoutez. Et on est toujours là. Bah oui. Bah, écoutez, on va voir en fait votre première clip. Je vais montrer un petit peu. J'ai mis la chanson d'Elia. Je ne sais pas si les gens entendent. Mais on va voir la clip. Ça, c'est comme ça, ça sera. Mais on ne va pas voir la totalité. On va voir la clip quand, en fait, exactement, vous allez lancer. Il y a quelques semaines de ça, on a donc envoyé le teaser du clip. Et le clip, il va sortir donc le 26 de ce mois-ci. D'accord. Du coup, on va voir le teaser de clip. Hop, attendez. Et puis, on va parler de la chanson. Je précise, clip réalisé par Ali. Je le remercie d'ici. Il a vraiment fait un travail professionnel, vidéo en 4K, etc. Et voilà, je le remercie déjà dès maintenant. Oui, il y a un grand travail, en fait, un tas de travail, je trouve, parce qu'on va voir des chevaux quelque part. C'est génial, en fait, tout ce qui est… vous allez voir, de toute façon. Yine tartışırdık çünkü hata bende. Beni duymuyor. Yapsan ne etsen hata bende. Voilà, c'était le teasing, mais on a écouté la chanson qui est parfaite. Voilà. Donc le 26, sortie du clip, donc Hata Banda. Du coup, ils peuvent le trouver où, en fait, la clip, le clip, vous pouvez nous dire? Alors, le clip, on peut le retrouver donc, sur notre chaîne YouTube, Ousai Off, Ousai officiel, donc le 26, dès le 26, vous tapez Ousai Hata Banda et tac, voilà le clip. D'accord. Hop. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est très facile aujourd'hui. Voilà, tout simplement, Ousai Hata Banda. Et la chanson, en fait, si on parle de la chanson, moi, j'ai compris, mais c'est top. Et je vois que, comment dire, qu'est-ce que, en fait, vous nous expliquez un petit peu de quoi elle parle, la chanson. Ah oui. Alors, la chanson, on va dire globalement, c'est un peu une chanson d'amour, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que Hata Bende en turc, ça veut dire la faute, c'est ma faute. Et en gros, on essaie de dire que peu importe ce que l'on fait, c'est toujours de la faute de quelqu'un, en fait. C'est toujours de la faute. En fait, c'est une histoire d'amour. Ça peut être la faute de l'homme comme de la femme. Mais voilà, il y a toujours un fautif. Et on essaie même souvent la faute du fautif. Donc voilà, c'est plus une thématique comme ça, c'est-à-dire que Hata Bende, c'est de ma faute en français. Et voilà, on essaye d'expliquer cette situation, on va dire, très large, commune. Tout le monde a vécu ça, tout le monde vivra ça. Voilà, c'est. On a tous vécu ça, on vivra ça. C'est du ça, vécu, et... je pense, ça vient du vécu, non? C'est génial. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé la chanson et surtout, en fait, l'introduction de la chanson, c'est très, très douce et puis d'un coup, ça commence et c'est génial, en fait. Moi, j'aime beaucoup le son, surtout. Et vous travaillez avec des autres musiciens, vous collaborez avec des autres musiciens. Oui, notamment sur ce premier EP, on a quand même collaboré relativement, enfin, voilà, On a travaillé sur des prods qui étaient sur Internet, mais on a quand même, on a tenu à travailler avec notamment nos proches, notre entourage proche, notamment je pense à Nassem de Still Nas de Rise and Shine, sur le morceau Parquet Mess, qui est aussi un morceau qui va venir aussi, Inch'Allah, en 2021. Bon, ouais. Et alors lui, il a collaboré avec des artistes plus connus en France, etc. Mais c'est surtout un proche, et c'est vraiment, on essaie de toujours travailler avec notre entourage proche, parce que, enfin, on a fait de la musique depuis quelques années, donc on a quand même pas mal de connaissances et d'amis qui font de la musique. Et j'adore toujours mélanger. Par exemple, Still Nas, il vient des Comores. Donc imagine le mélange. Il est comorien, je travaille avec Alten qui est turc, et moi qui suis camerounais guadeloupéen. Voilà, le mélange assez fou pour faire un morceau en turc, c'était assez marrant. C'est ça. Et aussi, on enregistre à DPL Studio, donc avec Chris.
qui en fait qui est aussi un entre guillemets un membre du groupe carrément parce que il nous a suivis Depuis le début. dans toute la procédure du projet. C'est une partie donc aussi le fruit de son travail aussi. Mais Chris, il est breton, alors imagine. Voilà. La musique qu'on fait et qu'on crée, on introduit. Donc, il y a toujours ce côté là, où le cœur est important de chacun, mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas travailler uniquement avec des stages ou quoi, même si on va le faire. Hein. Mais pas que ça, pas qu'avec des gens qui vont du pop, pas que des Turcs ou des Français. On voulait travailler avec tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce projet-là. Ils sont aussi moteurs que nous sur le projet. Vraiment. Ils sont intrigués de savoir pourquoi on veut travailler avec eux autant. Et en fait, c'est qu'une fois qu'ils mettent un pied dedans, c'est comme moi, tu mets un pied à Istanbul, t'es pas revenir en arrière, c'est impossible. Mais c'est pareil. C'est un peu comme notre projet, n'est-ce pas, Aude? Tu veux dans quel sens? Tu crois? Tu Tu mets un pied dans les turquoises et tu restes. Non, je reviens vers le turquoise parce que nous aussi, on voulait en fait travailler avec tout le monde. On veut travailler de toute façon, on collabore avec des musiciens du monde entier. Et aussi, on a fait des soirées quand même internationales. On a fait une soirée, La parole des femmes, tu te souviens? Et du coup, on a choisi à peu près 10 pays du monde entier. Et on a choisi des poèmes de ces 10 pays, en fait. Et puis, on a créé une ambiance interactive. Et les gens, ils ont discuté sur les poèmes et qui venaient du monde entier. Et d'ailleurs, on n'avait pas choisi la Turquie. On parle un petit peu. La prochaine fois, vous choisirez. Vous connaissez ça ou pas? Vous voyez ou pas? Oui, bon, on voit bien. C'est Alors, très moi, connu. si elle allait, machin, bon, c'est Alexandre Dumas, c'est français, mais bon, c'est quand même, fallait nous inviter, nous aussi. Fallait nous inviter. Génial, on a envie de travailler avec tout le monde aussi. Comme ça, on se limite pas, il n'y a pas de limite de toute façon. C'est une richesse de pouvoir travailler avec des gens différents, de cultures différentes, d'horizons différents, c'est une richesse. Et en vrai, sur Terre, à part s'enrichir les uns les autres, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça. Enfin, selon moi, c'est mon point de vue. C'est Exactement. apprendre de D'ailleurs, plein on de. se demande si vous êtes ensemble là en ce moment, vous avez fait le confinement ensemble, peut-être? Non. Non, On a c'est Non, bah justement, en fait, même le confinement, etc., tout ça nous a vraiment ralenti pour notre projet. C'est-à-dire que, voilà, vu que c'était fermé, on n'a pas pu enregistrer beaucoup de nos morceaux. Donc, ça a traîné. Donc, le projet, normalement, il allait sortir beaucoup plus tôt. Mais bon, voilà, Kadej, donc on attend, on fait ce qu'il y a à faire Juste comme. là, on prend un risque ensemble, juste pour vous. Ah Hein. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ouais, ça nous a beaucoup ralenti et voilà. Mais quand même, là, on a réussi pourtant à faire. Donc pour ce projet-là, on a prévu de faire plusieurs clips, trois clips au total, dont un qui va sortir le 26 Ah, ça va, mais... et deux autres qui sont en cours de préparation actuellement. Préparation. Le 26 février, on l'a noté et puis on va partager aussi vos liens en dessous de notre vidéo. Et d'ailleurs, on peut parler un peu de. Je vais partager encore mon écran. J'espère que vous le voyez. On va parler un petit peu en fait vos photos, qui les a prises et ça a l'air très très génial en fait. Et en même temps, la clip aussi. Il y a un grand travail derrière. Vous parlez de tout ça un petit peu. Comment ça s'est créé, quoi? C'est comme qu'on disait pour la musique, en fait, c'est sur ce projet-là, donc on tient à faire participer nos amis, nos proches et vraiment la famille, comme on dit, etc. Alors, le clip, ça a été Ali. C'est ça. Ali, un Ali, grand merci à Ali pour tout vraiment, ce travail. du fond du cœur, c'est lui qui nous fera les trois clips, d'ailleurs. Et Exactement. vraiment, il a un œil, il a une vision On qu'on apprécie, ouais. soutient et vraiment qu'on apprécie fortement. Et pour les photos, alors c'est Diane, c'est une de mes amies. Diane, qui, pour le coup, pareil. Un exemple, elle est vietnamienne d'origine et quand on lui a parlé du projet, elle est motivée et elle nous a soutenus. Celle qui a fait des photos que tu peux voir sur l'Instagram, celle que tu as partagée en story ou dans notre bio, parce que tu l'as, toi. Donc voilà, c'est vraiment, c'est Diane. Merci à elle parce qu'elle a fait des photos. Merci.
qui est, ouais, c'est toujours, enfin, en fait, quand j'en parle, je suis toujours un peu touché et ému de voir à quel point nos amis, dans la démarche, nous soutiennent, nous sont avec nous. Ça, c'est Diane, par exemple. Ce qu'on voit à l'écran, c'est Diane qui a pris la photo. Oui, Et par tout exemple, cette photo me plaît énormément parce que vous êtes en train de. En fait, quand bah, je pense que dans la création, il faut aussi s'amuser si vous passez un bon moment. Et il y a un exactement. résultat en fait plus satisfaisant et ça passe en fait, les énergies passent directement en fait au spectateur. Exactement. Entièrement d'accord avec toi, ouais. C'est carrément ça. C'est-à-dire qu'en fait, la chose qui est dingue, c'est-à-dire que on dirait les voilà, Ouzaï et les planètes se sont alignées et que voilà voilà c'est le bon moment, c'est la bonne période. Voilà, Ali il était disponible, on a eu la même vision des choses pour le clip, donc c'était génial. Diane aussi, voilà, elle nous a donné un grand coup de main et on a adoré ses photos, c'était génial. Voilà, après Chris aussi, donc DPL nous a aussi beaucoup aidé. Voilà, voilà c'est y a les planètes se sont alignées. Et ça a formé Ouzaï, quoi, tout simplement. D'accord. Ben, en fait, nous, on attend tous, je pense, l'année 2021 parce que cette année n'était pas top du top à cause de la crise sanitaire. Et ben, pour Turquoise aussi, il nous pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous envisagez à faire? Et pourquoi ben, vous n'avez pas continué à vos activités? Et ben, en fait, on a quand même essayé de faire cette émission L'heure Turquoise. Ça sera la dernière émission de l'année aujourd'hui. Ben après, en fait, on avait le projet, ben, je t'aime moi non plus, on a encore ce projet-là, mais on a décalé. Ça va, ben, on prévoit en fait de le faire en présentiel parce qu'on croit que en présentiel, en fait, les échanges passent mieux et les gens arrivent à discuter l'un l'autre. Et aussi, en fait, c'est toujours mieux, en fait, de voir la présentation, la personne en face. Et c'est pour ça qu'on attend un petit peu bah, tout soit bah, normal. Et voilà, on a plein de projets aussi 2021. On a pensé à bah, une fête, comment dire, une grande fête en mode disco à l'extérieur ou bien dans un parc. On a pensé à Butte-Chaumont. Et puis, ou bien on va faire une sorte d'open microphone, on va inviter des musiciens. Et vous, en fait, vous prévoyez quoi? Vous envisagez à faire quoi en 2021? Quels sont vos projets, en fait? Alors, nous, notre projet principal, c'est là, on a un projet en commun. Donc, Ouzaï, on sort le projet Yolun Sono. Donc, Yolun Sono, c'est un EP de 5 titres. Il y aura 5 titres. Et en fait, ça va être vraiment, on pourra dire que ce sera notre carte de visite un peu. Voilà, nous présenter, on va dire, au plus large public, à notre public surtout. Donc, dans ce projet-là, on aura 5 musiques, dont 3 clipés, 3 visuels. Vraiment pour que les personnes nous reconnaissent, nous voient. Et voilà, on essaie vraiment de. Pour nous, 2021, ça va vraiment être le premier pas vers une superbe aventure, en fait. Vous allez en fait, comment dire, voyager dans l'espace, quoi. Exactement. C'est ça. Là, on est en 2021, on va être dans la soucoupe. Voilà, on a mis les casques, là, on va être dans la soucoupe. 21, on met le start. D'ailleurs, ça marche bien. J'ai vu que ben, il y a peu de temps en fait que vous avez lancé Ouzaï, et j'ai vu sur Instagram vous avez eu beaucoup beaucoup de followers. C'est incroyable. Je pense que les gens aiment bien. Les gens aiment bien votre chanson. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas énorme, mais voilà, on essaie toujours de viser plus, viser mieux. Mais oui, c'est vrai que voilà, on a des bons retours, on a des retours positifs. Et voilà, on a vraiment hâte de balancer notre clip sur les réseaux Ah, de partager avec tout le monde le premier morceau, vraiment, on a hâte de ça. pour vraiment voilà avoir vraiment les points positifs, les points négatifs, etc. Vraiment tout, 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 Parce tout, que tout. sur les points, on peut s'améliorer, etc. Exactement. Vraiment ça va. Qu'est-ce que tu en penses, Od? Je trouve ça super et je me demandais, est-ce que vous allez chanter tout le temps en turc ou est-ce qu'il y a des chansons que vous allez faire en français de temps en temps, en anglais? On n'a pas, on ne s'imite pas, vraiment, c'est ce côté-là, ce projet-là, où on ne s'imite pas du tout.
Alors, on a un point commun, c'est l'amour pour la Turquie, je pense, enfin, surtout qui est très fort chez moi, forcément. on ne se limite pas du tout. Et après, on a la capacité de pouvoir justement faire des morceaux dans d'autres langues, parce qu'on parle français, on peut parler anglais, on a un peu d'allemand, etc., etc. Mais on ne se limite pas, et on verra ce que la dernière réserve. On a commencé sur 5 morceaux en turc en premier. C'est ça. Qu'on fait avec des artistes français à côté. Mais après, sur la langue en tant que telle, moi, je privilégie toujours la langue de l'amour avant tout. Et la langue de l'amour est une langue universelle. Donc après, que ce soit en français, en allemand, en turc, en anglais, ou en espagnol, ou en italien, ou en berbère, ou peu importe, il n'y a pas de limite et on verra bien. Vraiment, on verra bien. Super. En tout cas, en fait, je vous conseille de mettre aussi les sous-titres. Ça peut être super bien pour les Français et les gens qui parlent autre langue. C'est une bonne idée, ça. Parce que je pense que les paroles sont sympas. Et vous écrivez des paroles en fait un peu romantiques et poétiques, et du coup ça sera bien qu'ils comprennent. Comprennent, ouais, c'est vrai. Bah merci beaucoup. Avant de finir en fait notre émission, notre dernière émission de l'année, et j'aimerais bien quand même dire aux gens de vous suivre, en fait. Vous pouvez peut-être faire un rappel de vos réseaux sociaux et comment ils peuvent vous le trouver. Oui. Alors, pour nous retrouver, c'est très simple. Sur Instagram, c'est Ousaï Officiel. Sur Facebook également. Sur notre chaîne YouTube, c'est Ousaï Officiel. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est Ousaï Officiel. Voilà, on a fait la chose la plus simple possible. Vous avez officiel partout. Instagram, A-Y, officiel. Voilà. Peu importe, on est partout. Sur tous les réseaux. Sinon, on est à Paris 19e. Ne me donnez pas votre adresse, quand même. Imagine, il y aura beaucoup, beaucoup de fans à un moment donné. Écoutez, du coup, on est hyper honorés et extrêmement surpris de pouvoir faire la dernière de 2020. En espérant que ça ouvrira sur 2021, une année qui sera quand même plus bénéfique et plus positive pour tout le monde, et pour vous, et pour nous, et pour le monde entier. Et pour nous, c'est un moment particulier parce que c'est vraiment notre première interview au nom de Ousaï. Ouais. Et vous savez très bien que les premières choses qu'on fait, on ne les oubliera jamais, bah celle-ci non plus. Merci beaucoup, Emir. Merci. Bon, merci à vous aussi. En fait, et de toute façon, maintenant. J'adore. De toute façon, ils vont pouvoir en fait vous écouter en présentiel l'année prochaine. Les gens nous demandent toujours en fait quand vous allez reprendre vos activités. Je pense que les soirées festives qui faisaient beaucoup de succès dans un public assez jeune. Et même, il y avait de tout le monde, en fait, de toutes les générations qui venaient. Et je trouve ça formidable et qu'ils découvrent des nouveaux artistes et des nouveaux bandes. Ça, c'est génial. Et même si, en fait, ils sont connus, professionnels ou non professionnels, et je trouve ça très intéressant. Et pour les musiciens aussi, ils échangent et ils se retrouvent dans un endroit. En général, on choisit des endroits quand même très sympas. Et c'est génial en fait, ça s'ouvre à une porte aux autres projets aussi. Imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre et puis il peut vous proposer un concert. Tu rencontres et puis ça crée une émulsion et puis après voilà, bah, c'est bon. Non, vraiment, c'est bien. On sera contents et sera ravis de participer à la prochaine émission. Ouais, nous sommes ravis de vous accueillir aussi l'année prochaine. Et ouais, du coup, ouais. on met votre clip si vous voulez en fait pour finir encore une fois. Hein. Et qu'on fait un petit rappel encore ça va sortir le 26, vous pouvez regarder en fait la totalité de vidéo le 26 décembre. Exactement. Super, allez. Yine tartışırdık çünkü hata bende. Beni duymuyor. Yapsan, etsen hata bende. Bah, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci. C'était génial aussi de notre côté. Merci ouais. beaucoup. Ouais. Et joyeux Noël à tout le monde. On aman, hola.
il y a des petites hop, pardon. Et, bah, avant de fermer, si vous voulez, bah, nous voulons, en fait, nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année entre et par vos proches et à tout le monde, tout le monde qui nous regarde actuellement et toutes les, comment dire, toutes les followers. Bonne fête à tous, la santé. Oui. Surtout. Allez, faites attention à vous-même. Fêtez pas pour vous. Allez, ciao les gars. Salut tout le monde. Salut. Salut. Gros bisous. Merci beaucoup.